Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous revoici sur notre partie où nous ne jouons pas de match. Nous sommes directeurs sportifs du Royal Sporting Club d'Anderlecht en espérant que la partie se passe mieux que la dernière fois parce que, ben voilà, on a fait voilà. Alors, je le répète au cas où certains n'auraient pas vu la première vidéo, moi je ne joue pas les matchs. C'est mon entraîneur adjoint. Il y a une vidéo de chez Arthur Rey qui explique comment on fait. Mais tout se passe dans le staff et dans les responsabilités de staff. Donc moi je ne joue pas. Moi je suis voilà. Je suis entraîneur, mais tout est fait par mon entraîneur adjoint. Moi je ne fais que ce que ferait un directeur sportif, c'est-à-dire le staff, acheter des joueurs, renouveler le contrat des joueurs, renouveler le contrat des staffs. Voilà. Donc moi je ne fais rien d'autre que ça. Mon adjoint fait tout, la tactique, mettre les joueurs sur le terrain, parler pendant les matchs, tout ça, c'est lui qui fait tout. Je ne fais absolument rien d'autre, même les entraînements, je ne fais pas. Donc nous allons continuer et voir ce qui se passe. Si jamais ça se passe pas bien, j'ai une petite solution qui m'est venue d'une autre vidéo dont je ne me rappelle pas, je me rappelle pas le nom du youtubeur. Mais avant Arthur Rey, j'avais regardé une autre vidéo qui expliquait un peu comment on faisait. Et lui a une autre tactique, entre guillemets. Parce que ici, comme vous voyez, en gros, moi, j'ai juste mis la tactique là. Donc, c'est-à-dire que je suis allé dans staff, je suis allé voir mon entraîneur adjoint, voilà, la tactique que lui aimait. Donc, j'ai fait la tactique que lui aimait, mais les joueurs sur le terrain, donc les postes, entre guillemets, moi, j'ai rien touché. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, je mettrai un autre coach qui ne sera là que pour être spectateur d'un match et voir quel rôle il met dans sa tactique. Et si je vois que ça n'a pas les mêmes, si ça n'a pas la même coïncidence que ce qui se passe dans la tactique ici, bah je changerai ça. Ça c'est faisable. Je dis pas que ça changera tout, mais c'est faisable. Et voilà, donc nous sommes partis. On va voir ce que. Donc pour rappeler, je n'ai pas triché, enfin triché. Certains, parce que j'ai l'éditeur de jeu, donc certains, et c'est ce que j'ai fait dans une autre partie, ben voilà, je suis allé voir quel coach était dispo. Zidane était dispo, j'ai pris Zidane, avec Zidane tout se passe bien. Moi non. Ici à Anderlecht, le coach IRL c'est Brian Riemer, j'ai pris sa place, donc je l'ai pris lui en tant que adjoint et c'est lui qui gère, comme s'il était entraîneur. Mais à tout moment, si ça se passe pas bien, je peux le virer. Et une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis pas de licenciement parce que bah, je ne suis pas le coach, je ne veux pas être licencié pour les résultats d'un autre. C'est pas de la triche, c'est normal. J'ai pas envie, moi, oh, 3-4 semaines, c'est pas grave, on a du pay. J'ai pas envie, moi, d'être puni parce que le coach fait mal son boulot. En gros, c'est les seules choses que j'ai fait. Sur blessure. C'est pas grave, on a dupé. Ouais, donc Flip s'est blessé 5 à 11 jours, 3 semaines. Ok. Je vais pas avoir beaucoup de travail dans ce mercato, vu le mercato qui a été fait IRL. Ah oui, il y a ça à faire. Potentiel minimum, ouais. On va faire ça. Je sais plus, annuler. TFP Pokal. On va faire Europa League. Confirmer, voilà. Défenseur central. Alors, 1m92, 16 de détente verticale. Oh, il est bon lui.
Vous êtes bon, Nicolas Lodéro, il existe encore lui? 34 ans, Lodéro. Je me rappelle qu'il fut un temps où il était un gros crack sur FM, mais pff, 34 ans, non, j'ai pas envie d'acheter des joueurs de 34 ans. Chiquinho, t'es pas cher, toi. Sur la liste à 4 millions 6. Il est observé par qui? D'accord. Je pourrais savoir par qui t'es observé ou c'est pas possible? PSV. Jesse Lingard, ça ce serait génial, mais je pense que son salaire est ingérable. Il est quel pied lui? Le pied, il est droitier, donc il pourrait jouer là. Mais pas en ailier par contre, tactique. Celui-là joue en ailier. En ailier ce serait pas possible. Enfin. Oui, non, parce qu'il n'a pas de. Mais là, par contre, il serait 9,5. Mais son salaire, ce serait n'importe quoi, je pense. Souhaiterait un salaire compris entre 207 et 274. Pas sûr. Je ne suis pas sûr. J'ai qui en MO moi? Torkan peut y jouer, Verskaren. Lonwijk peut y jouer. Après, Jesse Lingard, ça peut être bon, hein. Donc là, on va jouer contre Penn. Enfin, pas, non, une autre tactique. On fait ce qu'on nous demande. Sélection. Conseil de sélection. Choisir. Voilà. Simuler match. Alors, une première victoire. S'il vous plaît, une première victoire. Allez, allez! On perd? T'es sérieux? Je vais faire ce que j'ai dit. C'est quand même une équipe faible entre guillemets, donc c'est pas normal. Je vais ajouter un nouvel entraîneur que je vais appeler spectateur. Voilà. Sans emploi. Ok. Confirmé. Voilà. Donc lui, il va aller voir.
assister au match de Genk. Page d'accueil, partir en vacances, revenir le match suivant. Voilà. Et là, normalement, au bout d'une vingtaine de minutes, je vous montrerai quand on y sera. C'est bizarre. C'est bizarre parce que clairement on a les joueurs pour faire une équipe bien, très bien. IRL, ils en parlent comme d'une équipe capable de gagner le titre, donc normalement. C'est qui toi? C'est un peu léger. Le jeu de tête de Dolberg. Jeu de tête 13. Ouais, peut-être faire des centres ras du sol. C'est pas assez bizarre. Serait un meilleur choix si tu veux. Ouais, ça c'est U18, c'est pas moi qui gère. On peut, hein. On peut aussi gérer les équipes B, les équipes U19, machin. Mais le problème, je pourrais le faire, me dire, bah voilà, je vais m'occuper, vu que j'ai le temps, vu que je fais pas le reste, je pourrais m'occuper des U19. Mon gros problème, c'est que, comme d'ailleurs Arthur Rey l'a explicité dans sa vidéo, le problème, c'est qu'un entraîneur dans le jeu, ça m'étonnerait très fort qu'il fasse jouer même des cracks. Donc, aller me prendre la tête, à essayer de faire monter des jeunes, machin, machin, pour que de toute façon l'entraîneur les fasse pas jouer, je suis pas sûr. Et donc normalement ici contre Genk, mon coach spectateur va aller voir le match. Voir un peu ce qui se passe. Sauvegarde. Bon. Nous, on va faire comme d'habitude. Pressing plus bas. L'entraîneur qui le demande, on le fait. Sélection. Conseil. Là, c'est le deuxième coach que j'ai créé qui prend le relais et qui va voir le match. Voilà. Ah, zut. J'en suis à quoi là? Ok, hop. Un mini résumé. Et on est parti. Le
match en lui-même, je m'en fous un peu vu que moi je gère rien. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Voilà. Alors, analyse. C'est dans analyse. Formation en direct. Voilà. Et ici, normalement, au bout d'une vingtaine de minutes, il va me mettre les postes. Donc je vais prendre de quoi noter. Ah, j'ai pas de mic ici. Ah, si, j'ai un mic. Ah. Comme ça. Je vais quand même le noter pour être sûr. Donc attaque. Ailier. MO. MJRMD. DLDL. DCDC. Et là, ben GB normal. Donc moi ça me semble plutôt correct comparé à ce que j'ai vu. Ça me semble plutôt correct. Après, je garderai un truc et je ferai un test. On gagne 0-1 déjà. Ah, Torgan est blessé, super. Qu'est-ce qui va changer? J'ai pas vu. Pardon. Il n'a pas changé. Oh, j'ai pris un sale but là. Tac. Là, je sais rien faire. Hein. Il se fait presser et paf. Ouais, non, là, je prends juste un sale but. Splendide. C'est triste. Je sens que ma carrière va couper court. Allez, hein! Toujours ailier, toujours une machine n'a pas changé. En plus, je me fais dominer, mais fort quoi. 10-6. Ouais. Possession 50-50. C'est déjà bien de se faire un petit match nul, non? Descendre Dolberg à gauche, mettre Vasquez.
Je suis en train de me poser une question. Je vais vous dire. Oui, il faut que j'aille. Mais je vais faire autrement pour Genk, pour Gant, pour voir si ça va changer quelque chose. MJRMD, DCDC, DLDL. Ouais, donc ça c'est bon. La première vidéo que j'ai vue était un peu différente de celle d'Arthur Rey dans un sens. Et je vous expliquerai quoi après, quand on sera arrivé au match, au prochain match. Il faut que je le. Je vais pas le mettre. Je vais mettre le match d'après peut-être. Attendez. Pas celui-là, celui-là. J'irai voir celui-là. Page d'accueil, mon profil, partir en vacances. Je ne suis pas trompé d'entraîneur. Et je vous expliquerai le pourquoi du comment. J'aimerais tenter un truc. Avant de voir la vidéo d'Arthur Rey, je faisais pas le petit truc avec le petit encart comme quoi je joue pas le match. Je faisais autrement et je me demande si ça ne change pas quelque chose. Je vous expliquerai sur le moment. Parce que c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Europe centrale. Cesse de détente, 14-13. 1m83. Mon problème, c'est la vitesse, y a rien à faire. Alors, ce que je vais faire là, je vais aller jusqu'à ce qu'il soit mis comme quoi il y a un match. On continue. Voilà, là il est mis rencontre. Alors ce que je vais faire autre chose et je vais vous expliquer. Mon profil, partir en vacances. Alors, je fais revenir après un jour. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici il y a ça. Utiliser la tactique de match actuelle et utiliser la compo actuelle. Donc ça, quand on fait la technique comme ça, il faut pas les cliquer. Et c'est ça mon problème. Est-ce que quand je fais le petit bouton, genre ignorer le match, est-ce que ça fait ça ou pas? Parce que si ça tombe, quand je fais pas ça, lui fait la tactique que j'ai demandé, alors qu'en fait il veut pas jouer comme ça. Mais ça le problème, et ça je vais. C'est pour ça que je vais faire ça ici. Donc là je vais partir en vacances. Voir ce qui se passe. Et je vais refaire le même là quand mon autre entraîneur ira voir le match pour voir si la tactique il met la même chose ou pas. Enfin, peut-être plus déjà le faire ici, mais voilà. Je teste pour voir si ça change quelque chose ou pas. Si ça change pas, ben, je continuerai et tant pis. On fait 0-0. C'est vraiment bête d'ailleurs. Dalande.
Ouais, par contre, 12 de vitesse, parce que l'accélération c'est bien, mais pas s'il n'y a pas la vitesse, et en plus de ça, il a des problèmes de blessure, donc non. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais je réexpliquerai encore quand on arrivera au match. Mais je vais refaire la même tactique, sauf que là, j'aurai le... Ça le fait pas. N'a pas réussi. Parler du problème avec Vasquez. J'apprécierais si vous pouviez m'aider à rendre les choses plus faciles. Vasquez a accepté votre promesse de chercher à recruter un joueur pour l'aider à s'acclimater. Or, se connaissent. Ouais, mais qui? Parce que moi je veux bien, mais qui? Fait chier, parce que du coup j'ai fait la promesse, moi. Jusqu'en prêt, quoi. C'est embêtant, ça. J'aurais peut-être dû demander un congé, mais... Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ça. Lomel SK. Karim Derman. Toi, tu es milieu plus. Bizarrement, t'as de meilleures qualités de milieu défensif, même si... Ouais, il se blesse en plus, donc non. C'est fou, des fois, les étoiles qu'ils mettent, je trouve qu'elles sont pas en raccord avec ce qu'ils montrent. À l'âge qu'il a, il a quand même d'énormes lacunes, que ce soit d'ailleurs en milieu central ou en milieu défensif. Et il met quand même... je sais pas. Dépêche-toi. Oui, ça on verra plus tard. Mon seul problème dans ce mode de jeu-là, entre guillemets, c'est que... J'en sais rien, c'est pas moi l'entraîneur. Voilà, c'est ça en fait le problème. Pour les joueurs, l'entraîneur, c'est moi. On n'a pas réussi, hein, super. Donc, pour les joueurs...
S'il y a un problème, c'est moi, alors que non. Et c'est mon seul petit souci. Ils n'iront pas chercher que le coach, c'est pas moi qui les fait pas jouer ou machin. Donc ça, j'ai un peu peur, genre que ça mette un peu le bazar dans le vestiaire ou. C'est le truc que j'ai un petit peu peur. C'est joueur important ou c'est rien. En fait, je ne dois même pas faire ça, je dois mettre commentaire seul en fait. Formation de chez moi. Ah bah voilà, vous voyez, là il joue en 4-4-2. C'est bien la preuve, hein. Là il joue en 4-4-2. Quand je fais ça. Je suis pas persuadé que ce qu'a dit pour le coup Arthur Rey soit réel. Je pense pas qu'il faut faire le petit. Ça change tout. Parce que là, voilà. Je prends une autre feuille. Et je vais noter comme seconde tactique le 4-4-2. Donc un ATC. Un RTA. C'est AI, ouais. Voilà. Un milieu récupérateur. Deux milieux récupérateurs, déjà c'est bizarre, mais bon. Un DL. Deux défenseurs centraux. L'off et un GL. Donc ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc je pense que le monsieur, je me rappelle plus du nom, c'est dommage, faudrait peut-être que je regarde un de ces quatre pour vous mettre. Je pense qu'il avait raison, faut faire comme ça, faut pas faire le petit bouton. Il faut partir en vacances un jour et le laisser faire parce que du coup ça ne met pas en compte, il me semblait bien. Ça me semblait trop bizarre. 1-0-2. Après c'est Rachel, mais. Est-ce que je ferai, je regarderai un match à la maison pour voir s'il joue aussi en 4-4-2 ou si là il joue plus. Là, il est passé en AP, mais bon, ça il passe après donc c'est pas grave, ça change rien. Mais ce sera une première victoire. Donc vous l'avez ici sous vos yeux. Je pense que. Et un petit but de Stroikens. Je pense que le mieux serait en effet de faire partir en vacances un jour. Et pas de faire le petit bouton simuler match. Après, ça reste OHL. Directement retourner ici tac en calendrier là je suis à domicile
J'irai là contre Westerlo. Je serai à domicile. Page d'accueil. Partir en vacances. Ah, je peux pas donc là. Quand ça ne fonctionne pas comme ça, vous appuyez une fois ou deux sur ça et normalement ça va revenir. Voilà. Et donc là, je vais dans tactique. Oui, pardon. D'abord staff. Brian Reimer. Et en effet, sa formation préférée, c'est le 4-4-2. Bon, ça reste le jeu sur les ailes direct, prudent, machin, mais. Donc ce que je vais faire, je vais dans tactique. Je mets une deuxième. Créer une nouvelle tactique. Jeu sur les ailes. 4-4-2. Confirmé. Voilà. Prudent, je crois. Direct prudent. Pressing plus souvent. Ouais, parfait. Parfait, donc voilà. Maintenant, du coup, voilà. Et alors, je mets donc attaquant complet, bah, je suppose. Je vais mettre en soutien, vu que lui va être attaquant avancé attaque. Donc là, ailier intérieur. Ailier intérieur. Là, deux milieux récup, c'est bizarre. Mettre un défense. Par contre, je vais la sélection d'équipe. Voilà. Là, il met un DL. Là, il met un loft. Ok. Et là, il met deux défenseurs centraux et un gardien libéraux. Voilà. Conseil de sélection, choisir. Il n'y a pas grand chose à faire, juste bah là voilà. Moi j'ai suivi ce que disait Arthur Rey parce que voilà, mais j'ai bien vu là que c'était pas possible de faire ça parce que j'ai une preuve claire et nette c'est qu'une fois que je le fais, je le laisse faire, bah déjà il joue plus dans la même tactique, il joue en 4-4-2 et plus en 4-2-3-1. C'est le mec que j'ai regardé, ça, hein, de Boca. Hein. C'est lui qui pouvait être prêté, non? Effectif. Luis Vasquez. Qui vient bien de Boca. Le salaire, ça va. 120. Je devrais pas, mais je me dis que.
personnage? On dit Joe. Stroiken, joueur important. Le problème, c'est qu'il vient de jouer. Et ça m'embête, du coup. Donc, je vais rejeter l'offre pour le moment. Effectif. Apparition. Tout ça n'a pas d'apparition. Pourquoi il n'est pas. Stroikens. Oui, mais. Ah oui, non, là. Oui, ok. Flips, bah oui. Colassin. Léonie. Je vais attendre un petit peu pour voir. En raison de l'accord 1,5 million à Arsenal. Car Arsenal a atteint. A reçu une prime. Oh! Oui, par contre, il y a un truc que je ne remarque, j'ai un truc que je ne retrouve plus. C'était dans quoi? Close peut-être. Ah, c'est ça. Sur son prochain, vos dirigeants ont négocié. Si vous décidez de racheter la clause, vous devriez. C'est moi qui dois une somme. Là, si vous venez la vendre, vous recevrez. Hop, on vend. Duranville, si vous décidez de vendre la clause, vous recevrez la somme. Vendre la clause. Ok. Et Sergio Gomez, vous recevrez. Ça, quand vous êtes en galère de thunes, si vous avez des trucs comme ça, vous pouvez le faire. Hop. Et voilà. Hop. Et là, on est monté à 4 millions parce qu'on a décidé de revendre nos clauses. Ça, je regarderai plus tard. Ah zut. Ça m'embête parce que c'est pas un transfert que je voulais faire. Mais bon, on sait jamais, hein. Si ça peut permettre. C'est qu'un prêt en plus donc. Et voilà, vous voyez, je gagne 2-1 contre Bruges maintenant. Fracture du bras, aïe. Nolberg. Parfait. Par contre, je ne sais pas, faudrait que j'aille voir. C'est au calendrier. Pour
7-3. Ah, il l'a mis sur le banc, mais il n'a pas vu jouer. Bon, du coup, ça nous fait. Pour Colassin, on accepte. Donc, peut-être le calendrier, non. Compétition, voilà. On remonte 7ème, on a 9 points, on est qu'à 2 points. Ça va, parfait. Tirage au sort de la Coupe de Belgique. Beveren ou Kapellen. Ok. Je vais plus rien acheter, je pense, pendant ce mercato. Je me laisse les 4 petits millions qui me restent au cas où je devrais avoir quelque chose. Coppola. Défenseur central de 19 ans. Y a rien à faire, hein. Je dis pas qu'il faut que ça, mais il faut un, il faut Sardella, il a pas joué. Il a fait un match, donc non. Par contre, oui. Kosemans. Oui. Gardien titulaire. Clause d'achat. De 550, on accepte. Acceptons. Et Colassin. Dika. Donc non. Tant que c'est pas mieux, on rejette, hein. Pourquoi rejeter? Allez, réunion de recrutement sur le dernier jour du mercato. Ok. Alors, bon, j'aimerais savoir. Ben oui, il a joué en 4-4-2, il me semble, contre Bruges, je sais plus. Je sais bien que sa formation offensive préférée c'est le 4-2-3-1, mais je ne sais pas s'il joue en offensif chez lui ou si c'est. Je ne sais pas. Donc je vais regarder contre Westerlo comment il joue à domicile. Et après, à mon avis, je virerai l'autre entraîneur et après, le nôtre fera ce qu'il veut. En vrai. Kosemans. Gardien titulaire, ça je m'en fous. Option d'achat, 300 000, ça peut. Ok, accepté. Oh, à 17 ans, il a l'air d'avoir déjà des bonnes stats, lui. 9, 9, 9, il a rien.
Ce qui est bizarre, c'est que. C'est quoi ça? La deuxième division amateur, ouais. Oh, je l'aurais vu avec plus de. Ouais, mais il n'a pas de déter aussi, c'est peut-être pour ça. C'est dommage parce que. Il n'a pas des mauvaises stats à son âge, mais il faut qu'il bosse, quoi. Et si son truc est de maximum 3 étoiles, ouais, c'est ça, accepté. On n'établit même pas de rapport, on s'en fout. C'est un joueur qu'on ne veut plus. Colasin, lui par contre, on sait jamais. Voilà. Allez, Sester. Et à mon avis, celui de Westerlo sera le dernier match qu'on fera pour cette vidéo. Bon là, on arrive dans un moment un peu lent parce que, ben, 31 au premier, machin, gna gna. Les mêmes soucis à chaque fois. Allez, on s'avance. Sinon, comme l'entraîneur, le PC, je le vire, hop. C'est que Ritz, il a pas été top, hein. Jusque-là. Non, ça je ferai ça plus tard. Pour le moment, c'est pas ultra. Ah, Jean-Paul Vanek. Je t'aime d'amour, Vanek. Se référer à ma première carrière Anderlecht. Et aussi à la Juventus entre nous, hein. Voilà, tout le monde va bien, c'est parfait. Tout le monde s'entraîne. Petite sauvegarde, parfait. Allez. S'il joue toujours en 4-4-2. Ouais, il joue en 4-4-2. Ah non, c'est ma truc ça. C'est pas ma truc ça. Formation. Ouais, non, il joue quand même en 4-4-2. Est-ce qu'il met les mêmes. Vasquez, Hazard, de la mérite, Traoré, Tanguy, Bodge, Patrice, Schmeichel. Allez. Pourquoi il n'avait pas les. Allô? Là, il met ATP. Ouais. Ah, il met ATP là maintenant. Il met ATA ATP. C'est bon. Et là, MJA. Ce qui me semble plus logique, hein, que demi récupérateur. Ça, je vais peut-être le laisser comme ça parce que. Je sais pas. MJLOS, c'est le problème, ce qui. Il faut une victoire. Ah bah 2-0, parfait.
Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Encore un grand merci à vous tous et à la prochaine. Ciao YouTube.